Et voilà donc le troisième et dernier carte mode que je souhaitais vous présenter. Donc toujours Zelda, donc Goddess of Wisdom. Là on retrouve Link dans un fan-made de nouveau. Donc c'est un jeu qui est en anglais avec tout le reste, donc tout le packaging en français. Déjà première chose vraiment, la cover est magnifique avec ce côté un peu vitrail qu'on va retrouver. Hop, je vais vous zoomer ça. Voilà, qu'on va retrouver ici également sur les côtés. Franchement c'est magnifique. Le détail est vraiment très très cool. C'est pareil, je pense que c'est les mêmes. Je vérifie. Ouais, ce sont les mêmes vitraux pour le coup. Donc, vraiment une superbe édition. Donc on va ouvrir ça, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, c'est la normalement troisième vidéo que vous regardez de la sorte. Donc toujours pareil. Hein. Donc c'est vraiment tout l'intérieur hein, qui est. Je sais pas si on le verra bien, non c'est un peu sombre. Mais vraiment tout l'intérieur est bien customisé. Hop. Une notice de nouveau. Très sympathique. Avec de superbes illustrations. Donc celui-là il est fait par deux fans, Omega et Seth. Donc voilà. Et après, il y a eu Puzzle Dude et Seth qui ont repris justement ce jeu. Donc voilà, en fait ici ça explique d'où sort ce jeu, qui l'a fait, qui l'a traduit, etc. Donc on pourrait quand même noter cet élément-là, c'est vrai que je l'avais pas spécifié dans les deux autres vidéos, mais à chaque fois la personne qui fait ses cartes mode précise quand même d'où vient le jeu, quelle version utilisée, etc. Donc c'est plutôt très positif. Enfin, je trouve que c'est positif. Hop. Donc voilà. Bon, ça vous présente le jeu, hein. C'est classique. Il y a quand même pas mal d'illustrations, donc ça c'est cool. Ça manque quand même des notices de cette qualité de nos jours. Et puis, eh bien, toujours les bonus. Donc, ça c'est plutôt positif. Je vous ai pas présenté la cartouche, pardon. Je vous présente ça rapidement avant de vous présenter les bonus. Bon, ça reste classique, hein. Pour le coup, la cartouche, la finition est bien meilleure. Donc voilà, avec la cover, toujours pareil. Et ensuite, eh bien, les petits bonus. Donc on a droit déjà à un petit poster. On change de format, tout en en vertical pour le coup. C'est plutôt cool. Et également, hop, comme ce fut le cas auparavant, une carte du jeu et du monde. Donc, plutôt pas mal également. Donc voilà, un peu moins détaillé que l'autre, hein, mais bon, c'est normal, le jeu est moins long aussi, a priori, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, une très belle édition qui eh bien complète cette trilogie de vidéos si je puis dire. Hop, voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire si jamais vous avez des questions. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, passez une bonne journée, à très bientôt. Ciao ciao.